Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, craquage exceptionnel sur un portail qu'on considère tous comme un portail un peu banal. En effet, il s'agit du portail 100% endurance. Et vous allez me dire, mais pourquoi, nom de Dieu, pourquoi tu craques pour ce portail? Alors, la raison est simple. Ils ont sorti deux unités sans crier gare. J'en avais fait un peu le teaser il y a quelques jours. Il s'agit... Je sais pas comment on peut les appeler. Ce sont des supports... demi-gothier, enfin, gothier, enfin, petit gothier, parce qu'ils donnent du ki et des boosts en termes de statistiques. Ce sont deux très très bons supports. Et sont tellement bons qu'ils surpassent tous les autres supports qui sont sortis à ce jour pour le type endurance. On va commencer par le Gwent, qui est pour moi le moins intéressant, tout simplement parce qu'on n'a pas de super gothier endurance actuellement. Alors, son leader skill est quand même très très bon. Ki plus 3 plus boost de 50% au niveau des stats. C'est à peu près la même chose que donne notre ami Vegeto Blue. Enfin, Vegeto Blue donne la même chose mais pour les unités super. Mais en termes de boost de statistiques, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il inflige des dégâts colossaux et il a rare chance de stun. Donc c'est 20-25% de chance de stun. En fait, je ne sais jamais si c'est 20 ou si c'est 25 en fait. Apparemment il y a une case 20, il y a une case 25, mais comme l'intitulé ne change pas, et du coup on sait pas vraiment en fait. Enfin bref, c'est entre 20 et 25. Et puis son passif qui est très très bon, ki plus 3 pour le type endurance, et boost de 40% au niveau de la défense et de l'attaque pour les unités super endurance. Là en gros, le Trunks Ikari endurance et la Pan endurance, qui sont deux supports qui ont à peu près le même passif. Bah, au revoir, salut. Hein, vous devenez de la merde, hein, clairement. Là, attaque et def plus 40%, y a pas mieux. Y a pas mieux et c'est surprenant. Malheureusement, niveau lien, il n'y a pas grand chose d'intéressant. All in the Family, c'est boost de 2000. Saiyan, Lineage, c'est le lien Saiyan, qui plus 1. Power Bestowed by God, c'est le seul qui est à peu près correct, plus 2500. Lorsqu'il lance une attaque spé, c'est réservé aux unités divines. Et Revival, c'est ki plus 2, c'est limité à une certaine. Enfin, pas beaucoup d'unités comme celle, la Rallye Endurance. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle Revival. Enfin, bref, cette carte est assez bonne. C'est le meilleur support pour le type Endurance pour les unités super. Et niveau stats, pas dégueulasse, 9200 PV, 8000 points d'attaque et 4400 en défense. Donc ça le rend assez intéressant. Est-ce qu'on a besoin... Alors la question, voilà, est-ce qu'on a besoin d'un tel support? Sachant qu'on dans les unités super endurance, pour l'instant on ne connaît pas le super Gothier endurance, mais on sait qu'il y a Vegeto Bleu, il y a Super Gotenks, la Raleigh, et il y a qui d'autre d'intéressant qui pourrait composer cette team? Le Goku Stunner qui apparaît au combat. Est-ce qu'ils ont besoin d'un support? Bah... La plupart ont soit paré en combat, soit vitesse époustouflante. Pourquoi pas? En fait, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment... Enfin, c'est le ki plus 3 ici et la bienvenue, mais c'est surtout le boost de 40% au niveau de l'attaque et de la défense. On sait que Vegeto Bleu a un peu du mal à bloquer, enfin à réduire les dégâts subis. Il réduit que 30% les dégâts subis, donc du coup, quand il bloque, on perd quand même pas mal de PV. Avec ce petit boost au niveau de l'attaque et de la défense, surtout la défense, on va perdre moins de PV et ça, c'est assez intéressant. Donc... Oui, c'est une très très bonne unité, qui l'aurait cru? Alors pourquoi il sort sur un portail 100% endurance? Je sais pas, moi j'ai cru que c'était deux unités qu'on allait pouvoir acheter chez Baba. Malheureusement c'est pas le cas. Et la deuxième unité exclusive, qui apparaît sur ce portail, c'est le Super Boo, qui rend la team endurance OP. C'est là, en clair, si vous avez ce Super Boo et... Le Genio LR, plus le couleur LR, plus le couleur Extrême Gothier, plus le Freezer Full Power, vous avez la meilleure méta du jeu. Voilà, puissance, défense, passif, tout le monde part en ki, enfin tout le monde part en spé, y a tout. C'est la meilleure team du jeu. Donc c'est pour ça qu'il me le faut celui-là. J'aimerais bien le dropper. Même passif leader que le Gohan. Son attaque spé, inflige des dégâts colossaux et. Truc de ouf, il récupère 15% des PV. C'est énorme. Dans une team
extrêmement, extrême endurance, ça me fait bugger. 15%, c'est du jamais vu. 15% sur 250 000 PV, c'est énorme. Hein, tu récupères quasiment plus de 30 000 PV. Et c'est pas fini. Son passif ne change pas. Enfin, c'est le même pour la version extrême. Donc, ki plus 3 pour les unités endurance. Et attaque SDF plus 40% pour les unités du sous-type extrême. Très très bon. En fait, ce qui le rend vraiment OP en plus, c'est le lien métamorphosis. Donc, le couleur le possède. Donc, quand ils sont côte à côte, ils récupèrent 10% de 250 000 PV, soit 25 000 PV. Et en plus, s'il part en spé, ce super bout, vous allez encore récupérer 15%, soit 25% quand vous le mettez côte à côte avec le couleur endurance. Sinon, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il a aussi un autre lien qui permet de récupérer des PV, donc infinite régénération, donc plus 3% de régénération quand ils sont côte à côte avec les unités Fatboo et Superboo. Ils récupèrent donc 6% des PV. Donc ça, c'est moins intéressant, comme Métamorphosis est quand même plus intéressant. Il a Fear and Face, donc Ki plus 2 pour les unités méchants. Et The Wall Standing Tall, c'est le mur gênant, donc c'est le boost qui augmente ses stats de 15%. Bon, il n'y a pas beaucoup d'unités qui posent ce lien, c'est quasiment que des bouts. Il a aussi Innocent. Bon. Est-ce qu'il y a beaucoup d'innocents parmi les extrêmes endurances? Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Enfin bref, c'est un boost de 10%. Mais voilà, ce qui rend vraiment OP, c'est Métamorphosis et Fear and Face. Voilà, c'est Ki plus 2. Il y en a pas mal de méchants qui possèdent ce lien, dont le Freezer, il me semble. Voilà, c'est juste pour ces deux cartes. Enfin, surtout pour celui-là. Alors, la question qu'on se pose... mais pourquoi il sort le Gohan également? Le Gohan, donc le support pour le type endurance, enfin pour le sous-type super endurance. Pourquoi il sort? Peut-être que ça annonce que le prochain super Gauthier soit un super Gauthier de type endurance. Ce serait bizarre parce que d'habitude, enfin d'après ce qu'on a eu pour l'instant, ils ont fait super agi, super puissance, extrême endurance. Donc là, idéalement, enfin dans la logique des choses, ça serait de rajouter un deuxième extrême. Mon Vigdoublou qui possède un arbre à 100%, lui il sera content hein, avec l'arrivée du Super Gauthier Endurance. Pareil pour mon Super Gotenks Endurance, hein, il est spé 10. J'ai eu quelques doublons, je crois que j'ai 3 doublons, donc j'ai son arbre qui est assez développé. Donc voilà, ah oui, petite dernière chose, l'autre raison qui me pousse à craquer sa mouille, c'est le double Kai pour chaque multi. D'habitude, c'est un vieux Kai pour chaque multi. Là, c'est deux vieux Kai. Ok, je sens la carotte. En fait, je sens que dans quelques jours, on aura un portail OP. Les 777 jours arrivent dans une semaine, à peu près, enfin moins d'une semaine. Donc moi, ce portail-là, c'est la carotte. Je sais qu'il y a une carotte là. Hein, et je sais que c'est, je vais me faire avoir. Mais quelque part, je vais pas vraiment perdre parce que les deux vieux Kai, c'est une bonne compensation. Ça fait en gros que vous achetez un vieux Kai pour 25 DS. Ça va, on va dire que c'est un seul vieux Kai pour chaque multi. Et puis, il faut savoir que je suis en galère de thunes encore une fois. Comme d'habitude, le mec il est en galère de thunes tous les mois. Là, il me reste 10 millions de zenis. Quand vous invoquez sur ces portails, les unités arrivent maxées. Du coup, j'ai juste à les éveiller et à les vendre par la suite. Et là, je vais me faire un max de zenis, les fouères. Donc, si je drop des doublons, ça sera pour de la zenis monnaie, les fouères. Voici les unités qu'on peut espérer obtenir à travers ce portail. Donc on va commencer par le Gohan, il me semble. Sa spé est farmable, enfin farmable. On peut la monter avec les unités, enfin avec les Gohan du tournoi. Ce sera leur seule utilité finalement. Sa spé, je crois qu'on l'a déjà vu. Voilà, il fait une attaque où il repousse l'adversaire. Un peu décevant. Là, de plus en plus, je remarque que pour cette année, les nouvelles unités, en fait, ne sont pas vraiment de nouvelles unités. C'est vraiment... Je veux dire, toutes les attaques spé se ressemblent. Pareil pour le Super Boo, vous allez voir, ça, vous allez reconnaître immédiatement sa spé. J'avoue qu'il y a un peu de cacarotte dans l'air. Ça leur coûterait quoi de rajouter 2-3 effets, une attaque spé supplémentaire, différente, avec une couleur différente? Les mecs, ils se font pas chier. Ensuite, le Goku Divin Endurance, je l'ai déjà plusieurs fois, il m'intéresse pas. Même si... On attend son Dokkan, hein. C'est un des rares Goku divins qui n'a pas eu son Dokkan. Pareil, ah non, celui-là, il a eu son Dokkan. Très très bon nuker leader, mais bon, je l'ai déjà 2 ou 3 fois, ça m'intéresse pas. Le Trunks Ikari, l'ancien support qui est déjà dépassé. C'est un truc de ouf, il est sorti il y a 2 mois, je crois, ou 3 mois, ouais, 2 mois. Pareil pour Lapin, il est dépassé déjà. Le Super Goten, je l'ai déjà, Spedis, j'ai déjà 3 doublons, pourquoi pas un 4ème pour finir. Alors,
Là, j'ai un peu le seum. J'avais craqué pour l'avoir et finalement il réapparaît sur ce portail. Et en plus, il apparaît maxé. Du coup, j'aurais pu économiser des items. Donc voilà, je l'ai déjà trois fois. Enfin, ouais, trois fois. Pourquoi pas d'autres exemplaires? Alors, celui-là, je l'ai déjà plusieurs fois. Il m'intéresse pas du tout. Et puis, bon, là, c'est des SR. Là, j'aime pas trop. Hein, quand il y a des SR sur le. Enfin, quand il y a des SR, pardon, sur le détecteur, c'est rarement une bonne chose. Le taux de drop est de 10%. Je vais faire 4 multi. Je compte sur vous, comme d'habitude, la top tier family, pour mettre un maximum de pouces bleus, pour m'aider à invoquer Jean-Michel Minou, pour qu'il me donne le super bout. Dès que je l'ai, je m'arrête, en fait. Même si je suis tenté de récupérer les deux vieux cas, c'est vrai que c'est hyper tentant. Je sais pas s'ils vont le faire tout le temps. Là, c'est vraiment exceptionnel, hein. D'habitude, c'est un seul vieux cas. Comme ça, si je fais 4 multi, je vais récupérer donc 8 vieux cas. Oula. Il y a un fantôme dans la pièce. 8 vieux Kai plus le vieux Kai qui me reste, enfin en stock, donc j'en ai 9. Soit de quoi maxer un éventuel super ou extrême gotière qui devrait arriver dans le prochain mois. Enfin, soit à la fin du mois, soit le mois prochain. Bon, tout ça, c'est de la thune. Je vais les éveiller et puis je vais les revendre sans pitié. En fait, ce portail, il est pas si dégueu si tu réfléchis bien. Enfin, pour les gens qui sont en galère de thunes, le taux de drop est à 10%, ça va. C'est surtout la compensation, les deux vieux Kai. Dans tous les cas, t'es pas perdant, en fait. Même si j'aimerais bien quand même dropper des bonnes choses, hein. Hein, l'idéal, ce serait quand même un petit super bout, là. Oh non, un Nozalo. Et je l'ai déjà, crâne d'œuf. Bon, il est maxé. Ouais, j'hésite à le revendre. Ah non, je crois que l'autre je l'ai pas maxé, donc du coup je vais vendre celui qui est pas maxé. Finalement. Ouh la double c'est ça. Ah je l'ai déjà. J'ai déjà éveillé. Je peux le garder, en fait je vais le garder celui-là. Pour si un jour je drop le Végéta Divin Intelligence, bah du coup j'aurai déjà une pelletée de Végéta Divin que je vais éveiller. Et ensuite je vais le faire. Je vais les utiliser pour le sacrifice des faibles. Pour monter l'aspect de mon Végéta Divin Intelligence. Il est pas dégueu le végétal intelligence, dégâts immenses, plus 100% de boost d'attaque. Sauf que voilà quoi, il faut le dropper. Ouh, les deux vieux Kai. Pour l'instant, taux drop 20%. Voilà, je suis content parce que j'ai droppé 2 SSR. On va mettre le cana vu que j'ai pas envie de le vendre, vu qu'il est déjà maxé. Jean-Michel, pas de cheveux là. Pareil, celui-là, comme il est quasiment. Enfin, il est maxé. Il y a juste à claquer le vieux Kai. Enfin, le vieux Kai, les items pour le monter UR. Trois petites multi, on espère dropper ce petit bout là, ce super bout, il est vraiment OP1. Satan sur la gauche. C'est très bizarre comme... Oh, le petit bye bye, merci beaucoup Namco Bandai. Ça arrive en plus. J'espère le dropper celui-là. Ça me ferait très très plaisir. Parce que j'ai quasiment toutes les cartes. Alors, il me manque le Ginyu que j'aurai dans 6 mois, mais... Alors du coup, la question se pose, est-ce qu'on aura la même chose pour tous les types, parce qu'ils ont sorti, enfin c'est deux fois, c'est quasiment les mêmes cartes, hein. C'est le même passif leader, c'est le même passif perso, c'est juste que un correspond aux unités méchants et l'autre correspond aux unités gentils. Est-ce qu'ils vont sortir ça pour les autres? Est-ce qu'on a besoin de support pour chaque type? C'est la question que je vous pose. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait planté. Ah nice, celui-là il arrive déjà à maxer, comme ça je vais pouvoir monter l'aspect de mon support. Alors, le double bout mal incarné. Alors le SSR serait-il à la fin? Ça y ressemble les fouets. Alors. Beaucoup de R quand même, hein. Bon ça va, c'est... Quoi? Attendez. Ah, j'ai pas eu de bye bye. Ah, j'ai cru que c'était un bye bye. Ah, j'ai pas fait attention. Oh là là, j'ai cru que c'est... Il s'est pas transformé. Ah, j'ai... Oh non, mais non. Oh, la carotte. Oh, merde. Oh, j'étais sûr d'avoir un bye bye. Ok, le fail. J'ai pas fait attention. D'accord. Dans ma tête, c'était comme il n'y a pas de transformation, que c'était une multi, c'était forcément un bye bye. Oh, la carotte. Oh, je suis au fond de ma vie, là. Bon, le taux drop est passé directement à 10%. Hein. Bon, c'est pas grave, comme je dis, il y a les deux SS... enfin les deux vieux Kai. J'en ai plus.
Enfin, il m'en reste qu'un, quoi. Vu que j'en ai claqué quelques-uns sur le couleur. Bon, je fais attention maintenant. Parce que là, là... Oh, j'étais sûr d'avoir un bye-bye. SSG 3, non. Alors, si le super Godsier, c'est Gogeta et SSG 4, ce serait le feu quand même. Avec mon Végéto bleu à 100%, ils vont bien s'entendre, je pense. Alors, est-ce que le Guan, du coup, il deviendra utile? Enfin, si, ça reste quand même utile. Le boost de 40%, enfin, attaque et def, c'est vraiment pas dégueu. C'est fou, en fait, plus ça va, plus les unités qui sortent sont de plus en plus OP. Là, t'as des supports qui ont des stats vraiment intéressants. Et en plus, qui ont un passif qui change beaucoup de choses, quoi. Avec l'arrivée des super et extrêmes Gotiers, ce genre de boost, ça rend tellement... Enfin, c'est tellement utile. Bon, pour l'instant, est-ce que je vais me faire cacaroter une troisième fois? Enfin, une deuxième fois? Oh là 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 là. C'était le dernier. Bon, bah, tout ça, ça va finir en thune. Deux petits vieux Kai supplémentaires. Dernière multi. Alors, c'est dommage, on est obligé de faire des multi pour avoir les deux vieux Kai. Allez, donne-moi quelque chose que je n'ai pas. Donne-moi au moins un des deux, s'il te plaît. Parce que sinon, ce serait... je me suis fait cacaroter, quoi. Oula, pas de capsule. Il se transforme, putain. Alors après, je sais pas si ces unités vont réapparaître... Ouh, les SSG 3. Ouh, merci, 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 merci. Ce sera pas une cacarotte. Je sais pas s'ils vont réapparaître. Normalement, si, c'est pas des unités exclusives... Enfin, exclusives... Enfin, exclusives, pardon. Je suis fatigué, oui. Je sais pas... Il n'y a pas de raison... qui ne réapparaissent pas ailleurs. Ça m'arrangerait parce que bon, ça serait chiant quand même de compter que sur ce portail. Les waifus, hein, les waifus, moi je m'attendais à un portail exclusif. Bah finalement les waifus sont disponibles tout le temps sur tous les autres portails. Allez, deux SSR. Au moins, enfin si c'est pas deux SSR, au moins celui que je veux. On est sûr d'avoir vu un SSG 3, enfin, est-ce que j'ai bugué ou est-ce que... déjà, l'autre bye-bye que j'ai inventé dans ma tête... Est-ce qu'on a bien vu un SSG 3? Oh mais non! Le doublon qui fait mal au fion! Ah non! Ah non! Ah j'ai le seum! Ah j'ai le seum! Ah j'ai le seum les frères! Ah, j'hésite à gros craquer encore. Bon, allez, c'est parti, les fouers. Comme j'ai dit, c'est pas perdu. On a la petite compensation qui fait quand même plaisir. Le double Kai. Je vais me faire un petit stock. Sachant que mon Omega n'est pas SP10, mon Super Végéto n'est pas SP10. Ils sont tous les deux SP1. Donc, des vieux Kai supplémentaires. C'est pas dégueu. 5 petites capsules. Bon, là, je m'arrête après. Parce que bon, je suis sûr qu'il va revenir ce super bout. Mais j'avoue que ce serait quand même très très OP de pouvoir le récupérer. Pour pouvoir faire une petite vidéo. Voilà, le mettant en scène. Le petit 1-2-3 maxé, comme ça je vais pouvoir le faire manger. Lapin, ça c'est beau, ça vaut que dalle ça. Donne-moi au moins des SR maxé. Parce que là les R maxé ça vaut pas grand chose. Par contre je sens que toutes mes médailles endurance vont partir très très vite. Hein. Tout ça c'est quand tu les éveilles bah... Oh mais c'est pas possible, je le déteste. Je le déteste. Oh, je te déteste, Vegeta, je te déteste. Oh, je te hais. C'est pas possible. Encore un doublon que je... Bah, il servira plus tard. Ah, je l'ai déjà. C'est pas possible. Ah, celui-là, il est pas Dokkan. Peut-être qu'il aura un Dokkan plus tard. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, je sais pas ce que je vais en faire. Comme c'est une carte quand même assez bonne, s'il a un Dokkan. Oh yes, c'est enfin! Il a même pas fait le petit dit. Je suis hyper content. Ah, oh, ça va. J'ai eu peur à un moment, j'ai mis putain, finalement, je vais faire une invocation, je vais avoir que des doublons. Enfin, cet enfoiré, il arrive sans crier gare. Je suis content. J'ai la bonne méta endurance là. Il me manque que le Ginyu. C'est pas grave, pour l'instant, je vais peut-être faire 100. Je vais voir s'il y a moyen de faire.
une team avec, enfin sans le Gino Eder, mais là ma team endurance, enfin extrême endurance, elle est montée d'un cran, c'est quasiment la meilleure team du jeu. C'est la tankiness, la régénération. Ah je suis content, ah je suis content, qui aurait cru hein, que je sauterais de joie en voyant ce super bout qui a quand même, il a pas de coup quand même, hein. faut dire qu'il a, qu'il a pas de coup, mais je suis content même si ça se paye moche. Je croise les doigts pour un Dokkan. Hein, j'espère qu'il aura un Dokkan plus tard. Putain, imagine, il a un Dokkan. Son passif passe à Ki plus 4 plus un boost de 50% au niveau des stats. Oh, ce serait trop. Ce serait OP de ouf. Ce serait ouf. Ah, il me reste encore 50 DS. Est-ce qu'on craquerait pas une dernière fois? Que je dis, il y a deux vieux Kai. Bon, direct le cadenas. Alors lui, je mets direct le cadenas. Comme ça, j'essaie de dropper le Gohan et comme ça. On n'en parle plus. Bon allez hop. On n'est plus à une multi près. De toute façon là les, voilà, on a au moins 10% de taux drop. On est dans la moyenne. Peut-être un peu plus là. On doit avoir 12 ou 13. 4 capsules. Donc finalement on aura récupéré. J'ai fait 4 multi plus 2. Ça fait 6. 6 fois 2. Ça fait... Oh. Oh j'ai... Attends. Il s'est passé quoi? Et c'est G3 ou pas? Mince. Oh, je le saurai qu'à la fin de la vidéo. J'étais en train de calculer. 6 x 2, ça fait 12. Putain, mais pourquoi je mets autant de temps pour calculer? Alors, soit un doublon, soit le Gohan, s'il te plaît. Comme ça, j'aurais tout droppé sur ce foutu portail. Oh, Champa, je l'ai déjà. Oh, je le veux pas. Je le veux pas. Alors, normalement, en théorie, il devrait avoir un Dokkan. Je garde. En fait, le truc, c'est que les unités qui ont pas encore eu de Dokkan, gardez-les, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont avoir un Dokkan de folie. Le Beerus, une fois Dokkan, il est pas dégueu. Celui-là, ouais, pour l'instant, il est moyen. Moyenne chance d'avoir un boost de 200%. S'il a un Dokkan, peut-être qu'il va passer grande chance à boost de 200%. Bon, on a au moins un SSR, donc il y a bien eu un SSJ3 dans l'animation. On peut espérer un petit deuxième. Bon, tout ça, c'est de la zénimonée là. Le 1, 2, 3. Un R ça. C'était la dernière carte. Non. Ah, un deuxième SSR. Je l'ai déjà. Est-ce que... Ah, je sais pas. C'est vrai qu'il a pas de Dokkan, donc pour l'instant c'est pas. Ah bon, finalement le Gohan, bon bah. Je vais pas me faire chier, hein. Le Gohan m'intéresse pas. Enfin, le truc c'est qu'il voilà, y a pas eu de super God tier. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SSR pour 6 multi. Soit un taux drop à peu près à, je sais pas, 11%, 12%. Ça va, c'est correct. Et puis, le plus important, je l'ai droppé, hein, ce super boozer. Donc je suis assez content. J'espère qu'il aura un Dokkan plus tard. J'espère, les gars. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. N'oublie pas pour me soutenir un petit pouce bleu. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Alors, petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.